pas. Pour nous, c'est un effort assez soutenu de la part de la police. Il y a des interventions dans plusieurs endroits de la ville sur des alertes à la bombe, sur des besoins de renforcement de policiers. On a la capacité de tenir un certain nombre de jours. Mais comme on l'a décidé ce matin, sur la base de cette appréciation, ça ne justifie pas, par exemple, qu'on passe à un cran en-dessus qui consisterait à demander à ce que les gens restent chez eux, à ce qu'on supprime des manifestations, à ce qu'on ferme les écoles, etc. On n'en est pas là. Precisely, I think that there is no specific threat aimed at United Nations personnel. I think that we are taking the right kinds of precautionary measures also to reassure the people who work here, the visitors who come here. And I think that that people need to obviously be more vigilant after the Paris attacks on the 13th of November. But at the same time, life goes on.